album, c'est un album que je prévoyais de faire depuis déjà 2 ans. Et je voulais vraiment m'enfermer à la campagne, histoire d'être tranquille, de pouvoir bosser H24 jour et nuit. Et du coup, j'avais rencontré quelqu'un sur un tournage où j'étais ingé son. On a pas mal discuté. Et je lui ai parlé de ce projet d'album. Et il m'a dit, mais j'ai ma grand-mère qui habite en campagne, à côté de Bourges. Je peux toujours lui demander si elle est OK pour te filer la maison. Et puis tu vas là-bas. Donc je suis allé dans un petit village à côté de Bourges pour enregistrer l'album. C'était dans une maison qui était relativement très très grande. Il y avait un très grand terrain, donc j'avais de quoi m'éclater là-bas. En fait, je reste enfermé dans une pièce jour et nuit pour enregistrer l'album. Et ce qui s'est passé, quand je suis arrivé là-bas, j'avais un petit peu la flemme de tout installer. Donc j'ai pris les tables et les meubles qu'il y avait. J'ai mis ça vite fait à l'arrache. J'ai posé mon ordinateur dessus et je me suis dit, voilà, ça fera le taf. Et quelques jours après, j'ai un collègue qui est passé et qui m'a dit, mais installe ça correctement, quoi. Tu es là au moins pour 1 ou 2 mois. Le but, c'est que tu aies quand même de la place, que tu sois quand même organisé. Du coup, on a tout dégagé, on a tout réinstallé. Une fois qu'au niveau du bureau, c'était propre, qu'on avait posé les consoles de mixage et tout, on allume l'ordi, mise à jour. Grosse mise à jour qui a duré 2h30. Il faut savoir que j'avais pas internet là-bas, du coup... c'est mon pote qui m'avait prêté un boîtier 4G et le truc c'est que ça captait mal. Le seul endroit où ça captait c'était collé en haut d'une fenêtre. Donc on a foutu du gaffeur, on l'a foutu sur la fenêtre et on a dû attendre les 2h30 de mise à jour. Donc à partir de là on est parti prendre l'apéro. Et après un bon apéro, après 2h30 de mise à jour, là j'ai pu commencer à bosser. Et le premier morceau par lequel j'ai attaqué c'était Trapped in the Dark. Voilà, t'as commencé. My life is a shame. Tricheur, comment avancer super vite quand on enregistre un album. Wouh! Non, on va s'attaquer au chorus. Ouh, la fausse note. I don't need you anymore now. Il a fait que de la merde. Je me suis décalé, mais complètement. J'étais pas dans le temps, là. Parfait. Le reste, c'est que du copier-coller. C'est un morceau qui parle du fait que quoi qu'on fasse dans la vie, ça sert absolument à rien parce qu'un jour il y aura plus rien. C'est un petit peu le morceau qui traite de la grosse étape de dépression sur l'album. Grosso merdo, c'est un petit peu le titre qui dit que ça sert à rien d'avancer dans la vie, que t'as pas besoin de ton maquillage, t'as pas besoin de toute cette superficialité, t'as pas besoin de te cacher derrière quelque chose ou derrière quelqu'un. C'est vraiment quoi que tu fasses,
et ben un jour il n'y aura plus rien, tu seras plus là, ça sert à rien de laisser des traces puisque même la terre sera plus là, il n'y aura plus rien. My life's a lie, I don't need you anymore now. My life is a lie, I don't need you anymore now. I raise my glass to you, I raise my glass to you. Na 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 na. Mais non, c'est pas ça, wesh. Le to you, il est pas comme ça quand tu le chantes. Si. Mais non, il y a un petit temps avant le... C'est I raise my glass to you, I don't need you anymore. Mais écoute ta chanson. Regarde. I raise my glass to you. Tu sais, il y a ouais, un petit ça. Temps. Ouais, ouais. Mais ça, je m'en fous du temps, c'est les notes. Ouais, voilà, c'est ça. I remember... je vais me suicider. I raise my glass. J'y arriverai pas. Mais si. C'est ouf. I raise my glass to you. En fait, il me faut du solo sur les deuxièmes parties des refrains. En gros, ça fait ça. Ça, c'est le refrain. Tu me mets le son que tu veux que j'ai et s'il y a moyen que tu me le mettes 2-3 fois en boucle. Yes. Histoire que je trouve quelques plans ou je sais pas. Mais je vais te faire ça, je vais te trouver l'ampli. Attends, faut changer un peu de son là. C'est en là, hein, les mineurs. Je sais pas. Je te mets un son random, hein. C'est juste après au mix je changerai le son, je ferai un truc plus propre. Il y a un peu de décalage là par contre. Il y a moins de décalage. Ouais, il y en a moins, ouais. Mais un tout petit, il y en a encore un tout petit peu par contre. Ouais, je vais voir si je peux le baisser encore. On va faire sans ce retour là. Donc je joue quand même, je te fais un son d'ampli vite fait à l'arrache, histoire de. Toi, t'aimerais bien quel esprit dans le solo truc plutôt planant, truc plutôt vénère, truc plutôt. Plutôt vénère, plutôt vénère. Rock, plutôt. Ok, y a pas moyen que dans les retours j'entende un petit peu de disto pour des harmoniques, tout ça Le seul problème c'est que ce sera en décalé le retour, vas-y. Ah vas-y. Ouais. Tu vas faire ce décalage. C'est comme j'ai commencé à mixer et qu'il y a. Là j'ai à peu près 60 pistes, bah l'ordi il peut pas gérer plus. Je vais tester avec le décalage vite fait. Ouais, non. Décalage c'est chiant quand même. Ouais. Ouais, non, mais ils sont clairs. Ready? Fais tourner et. De leur faire, j'ai fait des fausses notes. Hein. Ouais, mais il y a des trucs pas mal que je peux garder dedans. Ouais, après, c'est garde les trucs si tu veux. Après. Trucs. Ça, c'est pas mal. Descends, toi. Ouais.
peux te faire mieux. T'es prête? Ouais. Yep, yep, yep. Moi pas. 1, 2, 3, 4. Ça c'était moche. Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4. Lâche-toi. Là il y a le pont. Là il va falloir la descente. Et après tu te lâches. Un peu, il y a un solo de piano. Oh, je vais te le refaire. Faut que je me chauffe un peu là. Tu vas le refaire? Ouais, enfin, tu peux garder ce que tu veux. Garde ce que tu veux. Ouais, le truc, c'est que j'ai du mal à savoir ce que j'arrive à faire sonner en clean quoi. 1, 2, 3, 18. Sans s'entendre. Ouais, c'est... J'aurais dû ramener la pédale de disto. Ouais, t'aurais servi à rien. Ah ouais? Ouais. Je m'entends pas. Ouais, je sais. Je sais, mais je peux pas mettre plus fort. Je vais le faire dans le vide, hein. Ouais. T'es un rocker ou t'es pas un rocker? Allez. L'album s'ouvre sur le titre éponyme Lost in the Days, qui est en gros un titre que j'ai enregistré. Bah, c'est un petit peu un défi sur YouTube où je faisais une vidéo par jour pendant 2 semaines. Et c'était des vidéos où je montrais comment enregistrer un morceau et comment le mixer de A à Z en fait. Et ce titre-là m'a servi d'introduction pour l'album. Le titre Lost in the Days, c'était un petit peu une référence au fait d'être perdu. Ça signifie littéralement perdu dans les jours. C'était un petit peu une allusion à mon mental en fait, puisque je suis... Ça fait 2 ans que je me tape une grosse dépression et que je me sens un petit peu perdu dans tout ce que je fais, que je me sens perdu dans le monde dans lequel je suis, que je trouve pas ma place en fait. Et plus les jours avancent et plus je me dis que
bah je ferais mieux de plus être là. L'album a eu trois sources de financement. La première, ma poche. C'est l'argent que j'avais économisé et notamment le crédit que j'ai pris juste avant de pouvoir enregistrer l'album. La deuxième, c'est ma ville, la ville de Rosny-sous-Bois, pour laquelle elle a fait une aide au projet en fait. J'avais demandé une bourse pour pouvoir enregistrer cet album justement. Donc ils m'ont passé un petit peu d'argent pour les frais de location de la maison par exemple. Et la troisième source de financement, c'est sur le site Le Pot Commun. J'avais fait une campagne sur internet histoire de récolter des fonds pour me rembourser un petit peu. Et ça marche pas trop parce que je suis pas encore quelqu'un de super connu, je suis loin d'être une rockstar, donc j'ai pas une grosse fanbase qui mise. Mais les peu de gens qui ont misé, franchement, c'était super cool. Ils ont pas misé genre 1 ou 2 euros, ils ont misé des grosses sommes et ça fait super plaisir. La nuit du 9 au 10 février, en gros, ça fait à peu près 9 jours que je suis là, 9 jours et demi. Je suis arrivé au studio, j'avais 3 chansons composées entièrement avant d'arriver. C'est-à-dire que en fait, la plupart des chansons que vous allez entendre, elles ont été composées là sur le tas en studio. En gros, mon workflow est très simple. La journée, j'enregistre. Puis la nuit, je cherche les riffs à enregistrer le lendemain. Et du coup, quand le lendemain arrive, la journée, j'enregistre. Et après, je repasse la nuit à chercher les riffs. Donc ça va relativement vite. Il y a pas mal d'idées que j'avais que je vais pas garder. Au total, je suis arrivé au studio avec à peu près 80 riffs de pré-enregistrés sur l'ordi. En fait, ça fait depuis mon premier album, Emo Sas Memoros, que je mets des riffs de côté au cas où pour plus tard. Et là, j'ai fait la récap et j'en avais à peu près 80. Et sur les 80, j'ai dû en garder une vingtaine, voire une quinzaine. Puis je fais le tri au fur et à mesure chaque jour. Et du coup, la nuit, quand je réécoute tout ça, je me dis qu'au final, ils sont pas mal, mais ils sont pas géniaux. Du coup, je prends ma gratte et je compose à côté. J'essaie de trouver des nouveaux riffs. Donc en fait, c'est marrant parce que la plupart des riffs que j'avais pré-enregistrés pour cet album, je les utilise pas. En fait, je recompose tout au fur et à mesure. Je retrouve d'autres riffs ici. Sur place, j'avais un rythme de travail qui était assez particulier. En fait, étant donné que j'avais pas de voisins, je pouvais bosser jour et nuit. Et comme de base, je suis insomniaque, je pouvais vraiment bosser jour et nuit. Du coup, je composais la nuit, j'écrivais mes textes la nuit et je les enregistrais la journée. En fait, faut savoir que quand je suis arrivé là-bas, j'avais que 3 morceaux officiellement bouclés. Parce que c'est un album que je compose depuis déjà pas mal d'années. Je pense que, il me semble, si je dis pas de conneries, que le premier texte, je l'ai composé quelques jours après la sortie de mon premier album. Le premier album étant sorti en octobre 2013. Ça remonte quand même pas mal. Du coup, je suis arrivé là-bas au studio, j'avais 3 morceaux. Seulement 3 morceaux. Et donc, en fait, il fallait que je puisse faire un album de au moins 10 titres. Donc, j'enregistrais la journée. Je composais la nuit, en fait. Ça partait d'un riff. Je jouais, je jammais avec moi-même. Et j'avais une idée de riff et je me disais, ça c'est pas mal, ça sonne plutôt bien, donc je vais l'enregistrer vite fait histoire de garder ça. Et juste après, j'avais encore de l'inspiration et je me suis dit, ça peut servir de couplet, ça peut servir de refrain, etc., etc. Donc je passais mes nuits en fait à trouver des riffs, à les pré-enregistrer et à la journée, je recomposais tout ça, j'enregistrais tout ça au propre en fait. J'enregistrais une partie refrain, une partie couplet, j'enregistrais un pont, je voyais comment je pouvais arranger tout ça. J'avais toute une collection de riffs pré-enregistrés puisque c'est un album que j'ai composé dans la continuité de mon premier album. Et en fait, je suis arrivé là-bas, j'ai fait au moins une dizaine de morceaux. Et après, dans les derniers jours, j'ai dû arriver à 12 morceaux à peu près. Et les autres, je les ai réenregistrés, je les ai composés une fois que je suis rentré chez moi en banlieue parisienne. Je me suis fait piquer la main par un frelon. Enfin, je crois que c'en était un. En tout cas, il était assez énorme. En gros, il logeait sur la fenêtre là depuis 2 jours. Il faisait sa vie, je faisais ma vie. Moi, je tue pas les animaux, perso. Il chillait, il a passé la journée sur la fenêtre à me regarder écrire, à me regarder enregistrer, à m'écouter faire de la musique. Après, il est parti se balader par là-bas, de l'autre côté de la pièce. Donc voilà, il faisait sa vie, je faisais la mienne, tranquille. Et puis là, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais aller au lit, je vais me déshabiller. Et comme un con, je pose ma main sur la chaise où il y avait le frelon. Du coup, j'ai posé ma main sur le frelon et ce connard m'a piqué. J'ai chopé une serviette, j'ai foutu sur lui, je l'ai foutu dehors. Et puis basta, maintenant il fait sa vie dehors.
il se balade, je pense qu'il allait rejoindre ses copains Frollo. J'avais besoin de nouveaux visuels pour tout ce qui est internet, et donc j'ai fait appel à mes potes de Nobody Prod qui ont réalisé le clip de She City AP, avec qui je travaille énormément, et on est allé faire des photos un petit peu partout. Donc on a fait des photos chez eux en studio, sur fond noir, fond blanc, etc. Et puis on est aussi allé faire des photos dans un lieu abandonné, un sanatorium, le vieux sanatorium de Incourt dans le 95, si je dis pas de conneries. C'était un lieu assez marquant, déjà parce que je suis un grand fan d'Urbex et j'avais rarement vu un bâtiment aussi grand. Je crois que le plus grand que j'ai vu pour l'instant, c'était la base militaire désaffectée de Fontainebleau. Et du coup, là, c'était assez cool d'arriver dans un sanatorium. Et je me suis dit, j'ai ma guitare, ok, on fait un shooting photo, on est dans un sanatorium, qu'est-ce que je fais? Je joue Welcome Home Sanatorium de Metallica. C'était un lieu magnifique, il y avait énormément de réverbération. Et en fait, quand j'ai joué le morceau de Metallica là-bas, je me suis dit, mais la réverb, elle est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par chance, j'avais mon enregistreur externe avec moi. On a posé l'enregistreur, j'ai pris ma guitare et j'ai rejoué le titre Mary, qui est un titre de mon album. Et je l'ai rejoué dessus avec la réverbération parce que je voulais vraiment capter l'ambiance du lieu et tout, et c'était assez cool. Du coup, c'est la chanson bonus, c'est la toute dernière chanson de l'album, c'est la 15e piste. Aussi, mais en fait ce qui est intéressant dans ça, c'est plus l'ambiance en fait. Genre, je suis là, je suis le mec seul avec ma guitare dans un gros sanatorium. Il faut savoir que ce sanatorium a servi de camp de concentration pendant la guerre. Il faut savoir que la plupart des gens qui vont là-bas ont toujours un espèce de ressenti un petit peu de mal-être en fait, dû au fait que ce fut un ancien camp de concentration. Moi je voulais vraiment capter le moment parce que ça avait vraiment une acoustique magnifique. Pour introduire cet album, j'ai voulu réaliser un premier clip à balancer sur internet. Je l'ai sorti à la fête de la musique, je trouvais ça beaucoup plus marquant de sortir quelque chose à la fête de la musique plutôt qu'à une date complètement random. C'est le clip de la chanson She City AP. Déjà, le morceau She City AP est très inspiré par Grits de Brantley Gilbert. J'aimais beaucoup le riff principal, le riff d'introduction, et je me suis dit je vais faire un truc un petit peu dans cet esprit là. C'est un morceau qui en gros parle de soirée, qui parle de femmes qui vont en soirée en fait, comme quoi on considère très souvent les femmes qui s'éclatent comme des salopes, et je voulais jouer un petit peu sur cette vague de slut shaming pour dire que non, vous êtes des personnes comme des autres, vous pouvez aller vous éclater en soirée, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie à partir du moment où c'est clair entre vous-même et les personnes que vous fréquentez, c'est cool, c'est ok, il n'y a pas de problème. Pour le clip, on a fait appel à pas mal de choses, notamment on a l'Apé Rock Café qui nous a prêté son bar, histoire qu'on ait un clip qui est vraiment de la gueule, que tout ce qui se passe là-bas est vraiment de la gueule, notamment au niveau des lumières, il y avait un très bel éclairage qui partait dans tous les sens chaque fois que la musique changeait. On a sorti les gros moyens pour ce clip, donc on a utilisé
un GH5 pour filmer, on a utilisé un Ronin pour qu'on ait des plans vraiment stabilisés, qu'on ait des beaux travelling, etc., etc. On a utilisé un drone pour un plan aérien au tout début du clip, on a tourné ça à la campagne. On a fait appel à mon pote Scrotum de Poulpe qui m'a énormément aidé pendant la réalisation de cet album, c'est notamment avec lui que je prenais souvent l'apéro, histoire de me détendre. En fait on l'a appelé parce qu'il a une bagnole qui a pas mal de gueule, donc on a utilisé sa caisse dans le clip. Pendant le clip, il me fallait des acteurs, donc j'ai fait appel à mon pote Ivan Martin, qui est un youtubeur qui commence à bien monter, à bien se faire connaître, et également à mon amie Naima Poller, qui est comédienne, qui est chanteuse, etc., etc., qui a également sa chaîne YouTube. Je trouvais que, visuellement parlant, ces deux personnes collaient bien. On a d'un côté le gros rocker macho, bien baraque, et de l'autre côté la nana super sexy qui est un petit peu hautaine en fait, qui s'en fout un petit peu de tout, qui est juste là pour s'éclater. Alors par quoi je pourrais commencer? Attends, je commence par des merdes, tu pourras couper dedans. Je m'appelle Ivan Martin, j'ai rencontré... quand est-ce que j'ai rencontré Sky? Ça va faire un petit peu moins d'un an maintenant. Le contact s'est tout de suite très très bien passé. On a dit qu'on était fans de musique tous les deux. Voilà, de rock, de hard rock, de metal, de country. Et sur la country tout de suite, moi j'ai bugué quand il m'a dit qu'il non seulement il était fan, mais en plus il en faisait. Je me suis dit, c'est pas possible, un Français à Paris faire de la country, c'est pas possible, ça n'existe pas, et pourtant. Et donc on a parlé de plein de groupes, il m'a surtout fait beaucoup découvrir cette espèce de country rock moderne que je connaissais très peu. J'avais quelques groupes en tête à l'époque, mais rien d'extraordinaire. Et donc voilà, on s'est vu de pas mal de fois, et à un moment, il commence à me parler de son nouvel album. Et moi dans ma tête c'est drôle parce que je fais waouh, c'est trop cool, attends, il va sortir un nouvel album, le premier était déjà très bon. Et là il commence à me parler d'un clip. Il me dit ouais tu vois Ivan, là j'aimerais peut-être prendre un mec, casquette à l'envers, tu vois le look bien américain. Et moi dans ma tête je fais c'est fou qu'il dit ça parce que on dirait moi, mais je vous ai pas trop m'imposer, tu vois, je me disais c'est pas possible, il va quand même pas me choisir moi et tout. Et là je m'assois sur son canapé et il me regarde, il me fait mais mec, en fait, faut que je te parle, parce que depuis tout à l'heure, si je te parle du clip, c'est parce que j'aimerais t'avoir. Et là, dans ma tête, j'étais genre ultra sérieux, genre « Ah, bien sûr, ah, pas de souci. » Alors qu'en fait, dans ma tête, c'était « Yes, c'est trop cool !» Donc, ouais, c'était super, super, une super expérience. J'avais réalisé quelques petits clips pour des potes, j'avais déjà été dans des clips également, mais de la figuration. Mais là, être acteur principal dans un clip d'une musique en plus qui me botte, bah forcément je dis oui direct. Et c'est là qu'il m'a parlé donc d'un musicien que je connaissais pas du tout par contre, c'était Brantley Gilbert. Et je crois qu'en une chanson j'étais déjà conquis. Voilà, cette espèce de country rock moderne, bien limite redneck, que je connaissais pas du tout. Et en même temps, je vois un mec casquette à l'envers, plein de tatouages, enfin on dirait plus qu'il va balancer un bon gros riff à la Pantera. Et en fait non, pas du tout, c'est ultra calme, c'est limite limite romantique à certains moments, c'était très surprenant. Et donc là il m'a dit je veux que tu sois comme ça, ce style de mec c'est ce qu'il me faut, mais bon par contre tu vas avoir un peu le mauvais rôle puisque bah tu vas te faire un peu avoir par la nana du clip. Moi j'y t'inquiète pas, alors là c'est un peu l'histoire de ma vie, ne t'en fais pas, donc j'aurais pas besoin de jouer le personnage. Et bah après ça allait très très vite parce que j'ai l'impression quand il m'a parlé du clip, on s'est retrouvé en tournage super rapidement. En gros dans le clip, je prends une nana un peu en mode gros macho, genre vas-y non, dans ma voiture, t'inquiète pas, je m'occupe de toi, je te protège, gros muscle, gros bras. Moi j'aime bien faire ça, hein, donc y a pas de souci pour ça. À un moment c'était un truc qui m'a bien fait rire, je devais boire beaucoup d'alcool quand je suis ultra énervé parce que la nana avec qui je suis rentré, elle est en train de s'amuser en bas et moi je l'attends comme un idiot, et donc on balance plein de shots avec de l'eau dedans, donc moi tac tac j'en prends plein, et forcément à un moment bah on met de la tequila, et la tequila ça ressemble à l'eau, donc moi je te la ligne, et forcément je pensais que ça allait être mis au montage, mais pas du tout, non c'est il l'a pas gardé, mais je sais que quelque part sur l'ordinateur de Sky il y a moi qui est en train de mourir littéralement parce que mon cerveau pensait que j'allais boire de l'eau. Alors que non, j'ai bu un bon gros shot de tequila, mais bien, bien méchant. Juste, tu lui donnes comme ça, voilà. Mais il y a du sirop. Vas-y, discute un peu. Ah, ça fait du bien. C'est bien, menthe poivrée. Enchaîne le deuxième. Quelqu'un donne le deuxième shot. Tiens, prends celui-là. Allez, bon. Allez, tiens, mon.
Ok, t'as une montre ou un téléphone, quelque chose à regarder? J'ai mon téléphone. Check ton téléphone. Oh, les mecs dans la gueule, là. Après, en plus de ça, j'avais l'impression de moins jouer un rôle, puisqu'il m'a laissé m'habiller comme j'avais envie. Enfin, il m'a juste dit, tu prends ta veste en jean sans manches, après tu mets jean, grosse botte, fin Santiago, casquette à l'envers, donc c'est comme ça que je m'habille un peu tout le temps. Et en plus de ça, à chaque fois je vois le clip, ma grosse veste avec tous mes logos Guns N' Roses, puisque bon, je suis un gros fan des Guns. Si certains connaissent mes vidéos, vous le savez. Donc à chaque fois, j'aime beaucoup ce plan, on marche avec Naïma, donc l'actrice qui joue la fille qui lâchement me lâche pour aller au concert en bas où il y a Sky qui joue. Et puis alors, bon, tout le côté Aperox, c'était vraiment cool, puis il y avait plein de monde. Il y avait plein de figurants qui étaient vraiment tous très 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 agréables, et on a tous pu parler de musique en plus après, donc c'était vraiment un excellent souvenir. Mais par contre, le plus folklorique, c'est bien évidemment la première partie du clip qui a été tournée après. Et alors ça, par contre, c'est extraordinaire. Alors moi, il me dit que ça connaît Paris, mais en fait pas du tout. Non, c'était à 80 km, ouais, en Picardie. Moi j'étais genre ok, mais mon dieu, c'est tout vert, mais c'est quoi ce délire? Et alors là, par contre, alors moi, il me dit, tu vas rouler qu'une voiture américaine. Alors c'est vrai que c'est une Ford, elle est assez classe. En plus, d'après le propriétaire, enfin pas d'après, c'est vrai, il y a la même voiture dans le Batman Begins de Nolan, donc c'est vrai qu'elle a une belle forme aérodynamique. Mais je m'attendais, enfin, c'est un peu mon fantasme, mais je m'attendais à une espèce de grosse Cadillac des années 60, ou une énorme Chevrolet Nova, enfin une Dodge Charger, une Chevrolet Nova. Bon, c'est une Ford. Un peu déçu, mais ça va, franchement, non, c'est moi qui pinaille un petit peu. C'est bon ? Ok, ça tourne. C'est bon, ça tourne. Et naturellement, au début du clip, je roule. Et je suis censé donc prendre Naïma, et forcément, vous connaissez les tournages, il faut refaire plusieurs fois les prises, pour ceux qui l'ignorent. Et ben forcément, quand vous voyez la route, elle est quand même pas très large, donc je pouvais pas faire de demi-tour, donc il a fallu avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Je peux vous dire qu'à la fin, cette voiture, je la connaissais parfaitement, hein. C'était limite, vous mettez les yeux bandés, je roule sur l'autoroute sans problème. Il y a une voiture derrière. Ah, fuck! Faut la refaire, il y a une voiture dans le champ derrière. Mettez-vous sur les côtés! Et alors, forcément, c'était drôle parce qu'il y avait Naïma qui était super loin, il fallait qu'elle entende le action, mais parfois elle l'entendait pas, donc moi j'arrivais, elle était là, genre, mais on tourne! Donc toi t'es là dans la voiture genre « Ah mais mon sang, allez, c'est pas possible, faut qu'on tourne, allez !» Et puis bon, en plus de ça, ce qui était cool, c'est qu'il y avait Marvin et Jules qui est donc l'équipe technique à l'image. Et voilà, ils sont maintenant je commence de plus en plus à les connaître, et ils sont vraiment très très pros. Donc ça a été vraiment agréable d'être déjà pote avec eux, et en plus de travailler avec eux. On dit souvent que c'est dangereux de travailler avec des potes parce qu'on peut tout de suite s'engueuler. Mais ben non, sur ce tournage, pas du tout. Non, c'était juste le fait qu'on se sentait très très loin de Paris. Je me sentais très très loin de Paris, même si j'étais l'espèce de loubard avec sa bagnole qui roule un peu à la Lucky Luke vers le soleil couchant loin, avec une nana qui prend et qui forcément, il espère. Enfin, quoi, à la fin du clip, on repart tous les deux. Donc, je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer. Je sais pas, à moins que Sky fasse la suite du clip. Avec une autre chanson, ce sera à lui de voir. Non, c'était vraiment une super expérience parce que moi, depuis tout petit, grâce à mes parents, je suis un gros fan de rock, de rock, de métal. J'adore aussi tout ce qui est country, et je vais dans le hip-hop aussi, dans le rap. Donc justement, avec Sky, on s'est tout de suite entendu parce qu'il m'a fait découvrir vraiment beaucoup de groupes de ce que j'aime bien dire un peu le métal rap fusion. Je prends toujours comme exemple, t'as les Rage Against the Machine ou même Body Count avec Ice-T, où il y a vraiment ce côté où on prend des bons gros riffs bien métal, en même temps il y a une rythmique bien rap derrière. Et justement, ce qui m'avait impressionné, c'est de découvrir ces artistes de country. Moi, je reconnais que j'avais le cliché country, chapeau de cow-boy, genre tous les groupes à la Jerry Reed, un peu des années 60, 70, bon, Johnny Cash bien sûr, mais et tant d'autres.
Et non, de voir que vraiment aux États-Unis ils ont un. Comment un. Ils fourmillent d'artistes et ils font des mélanges, ils osent vraiment faire des mélanges de leur propre musique, leur propre culture. Et de voir des mecs qui font de la country en faisant du rap derrière, pourtant on dirait des bons gros cow-boys. Il y avait, comment il s'appelle, Colt Ford, enfin. Tu dis, on dirait plutôt un mec qui va aller jouer au casino. Et non, c'est un rappeur country, quoi, donc en cow-boy. Donc c'est vraiment d'excellentes découvertes. Et voilà, d'être dans un clip de cet artiste français qui justement s'inspire de tous ces musiciens américains, c'était vraiment cool. Parce que j'ai envie de faire vivre à ma manière aussi cette musique qui me passionne depuis tout petit. Et bon, à travers mes vidéos, parce que bon, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Le Rocker Fêlé, et je parle donc de groupes de rock et de métal. Et puis voilà, et puis je me dis si à travers mon jeu d'acteur, enfin, en tant que comédien, je peux aider des artistes et faire découvrir leur musique à un large public en montrant que voilà, la radio c'est bien, la télé c'est bien, et aujourd'hui avec internet, YouTube, Dailymotion, tout ça, on peut découvrir vraiment des musiciens extrêmement doués et qui peuvent en plus de ça nous surprendre et nous faire découvrir d'autres styles, bah tant mieux. Et comme moi je parle beaucoup de rock et de métal et que je parle très très peu de country, je me suis dit, country rock justement, parce que ça c'est pas vraiment de la country comme vous l'imaginez. Ça peut être vraiment super de travailler avec Sky, parce que tout de suite on a vraiment tout de suite accroché en parlant de musique. Et en plus de ça, ce qu'il fait c'est super bien, et voilà, d'être dans son clip, c'était cool. Et de temps en temps, je me le remate tout seul. Et aussi je le montre à des potes en disant je t'invite à découvrir le clip où je suis dedans, et en plus forcément tu parles de l'album, tout ça. Ilan Martin au cœur fêlé, il kiffe. YouTube Space. Spécial dédicace au YouTube Space. T'es sérieux? Le volume est au minimum et il y a du son quand même. Trop cool ce riff. La... Il va passer en mode avion parce que là il me brise les couilles. Toi, t'es en mode avion, fais pas chier. Je crois qu'il n'y a pas encore de chanson en mi standard sur l'album. Groovy, mais dans les temps aussi en fait. C'est plus important. Important d'être dans les temps. J'en peux plus. Parfait. She ran away. Ok, et enfin le dernier refrain. Elle va aller vite cette chanson. Ok, maintenant faut juste que j'arrive à caler ça en rythme. Exactement la même chose de l'autre côté, et après on a fini, après on fait les guitares électriques, la basse, avant faut que je mange. Oui. 18h, je peux pas manger maintenant. On a fini avec les grattes je crois. Ok, pour les guitares. Guitare acoustique, folk. Après il reste encore la basse et guitare électrique. Les arrangements. Il n'y a pas d'arrangements. Ok, ce son me va. She's a fucking rock and roll girl.
god, j'ai tellement fait de la merde. Ratatatatatam. Oh, je l'ai pas copié-collé ici. Suis-je sérieux? Ah oui, comme un con, j'ai tapé la guitare sur la table, ça a tout désaccordé. N'importe quoi. Le morceau She Run Away, c'est plus ou moins inspiré d'une histoire vraie. En fait, j'étais sur Kick Messenger, j'étais sur des groupes de chat, country. Et à un moment donné, il y a un pélo qui est arrivé et qui a raconté un petit peu son histoire, qui a dit en américain, il dit « les mecs, je suis désolé, je sais que ça fait plusieurs jours que vous ne m'avez pas vu, mais il m'est arrivé quelque chose, enfin il est arrivé quelque chose à une amie à moi, elle a fugué, etc. etc. » Et en gros, tout ce qu'il avait écrit, je me suis dit « putain, mais ça passe très bien dans une chanson. » Donc je suis allé le voir, je lui ai dit « mec, ça te dérange pas que j'utilise tout ce que tu viens de dire là et que j'en fasse des paroles de chanson ?» Il m'a dit « ouais, non, y a pas de souci, et tu m'enverras la chanson une fois qu'elle sera prête, je l'enverrai à la personne concernée, ça devrait lui faire plaisir. » Et voilà, en gros, She Ran Away, c'est un petit peu l'histoire d'une adolescente qui a fugué parce qu'elle était en très 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 mauvais termes avec ses parents. Ses parents ont revendu ses vêtements, ils l'ont frappé, etc., etc. Du coup, bah, elle est partie. Cette personne, donc la personne qui raconte l'histoire dans ma chanson, qui est la même personne que la personne qui a raconté cette histoire, donc, ce jeune homme, c'est quelqu'un de très très proche de la personne qui a fugué. Et du coup, il y a eu un petit échange avec ses parents où les parents lui disaient « mec, si c'était pas pour toi, elle serait restée dehors. On l'aurait laissée dehors et on s'en fout si elle meurt ou pas. » J'aurais deux. So More Than Anything, je pense que c'est l'un de mes préférés de cet album. C'est un titre que j'ai écrit il y a quelques années et ça fait un petit peu une comparaison entre le sud de la France et le côté sudiste des États-Unis, où je me disais que dans les deux cas, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, j'adore le sud, j'adore leur culture. 3 février, 14h11, il doit faire au moins moins 40 degrés dehors. Alors je déconne quand même pas, il doit faire 5 ou 6 degrés. On va enregistrer les guitares témoins de More Than Anything. Pour enregistrer la guitare témoin, je vais juste placer le SM57. Donc là, je le place un peu à l'arrache. L'idée, c'est juste de garder les riffs, structurer le morceau. Et après, on réenregistrera tout au propre. Pour que je retrouve les accords. C'est une démo que j'avais enregistrée il y a au moins 2 ou 3 ans. Allez, j'ai un accordage un peu spécial, puisque cette nuit, j'ai enregistré les guitares témoins de Party Time. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a beaucoup de résonance ici. Donc le temps que mon oreille s'habitue à la pièce, ça fait que 2 jours et demi que je suis là. Ok, alors on va écouter ce que donne la démo. Is loud culture and a loud sound. Ok, donc là on va faire le vrai placement de micro maintenant. Uh-huh. Yeah.
encore à faire, mais je vais pas y aller. C'est trop simple. Alors, est-ce que je me tue à réenregistrer ? Ouais, allez, ça donnera de la vie. 1, 2, 3, come on. Attends, quitte à se la racler, autant le faire correctement. Ah, pourquoi y'a pas le son ? Ah, ça va me faire 10 minutes, en plus là-bas il était mal branché. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Fuck. Y'a des jacks partout. Je suis tout seul, je suis obligé de parler à moi-même. Voilà, parfait. Là on va avoir un bon gros son de basse. Pouvoir se la racler un peu. Si ça le fait, vous en pensez quoi, vous? Ouais, je peux la refaire au propre, hein. On est d'accord. Putain.
ma pochette d'album. Et j'ai demandé à l'ami Clément Kaneki de la dessiner, parce que c'est quelqu'un qui dessine vraiment super bien. Et j'adore son univers en fait, je voulais vraiment qu'il me dessine quelque chose. Donc je suis allé chez lui, histoire qu'on puisse voir ensemble les éléments à intégrer dans la pochette. Je lui ai dit grosso merdo ce que je voulais sur la pochette, donc je voulais un cowboy qui était censé me représenter moi. On gardait un petit côté en fait mi-campagne, mi-ville, histoire de faire écho au film Urban Cowboy. En gros, c'est un cowboy dans la ville. Du coup, il faut que je te demande alors. Ouais. Du coup, niveau déjà du format. Sur quoi on part en fait? On part sur une pochette CD classique, donc format carré. Alors en fait, je veux un rectangle où je puisse cropper sans problème, dans le sens où je sais pas encore si je le fais presser en CD. Et donc principalement, ce sera diffusé sur Internet, donc le pseudo 16/9 là. Plutôt une miniature YouTube quoi. Donc du coup, le cowboy, il faudrait le placer suffisamment au centre de l'image, enfin, en tout cas éloigné du bord pour que du coup tu puisses cropper. Ouais, par exemple, par rapport à ton écran, il faudrait que le cowboy soit à ce niveau-là, comme ça si je croppe là, bah il est plus ou moins collé au bord. Et après, derrière, c'est que du stuff, que du... C'est ça, donc du coup si je le divise, le truc, il faudrait... Et du coup, le crâne que tu voulais aussi, parce que du coup on était parti sur... plutôt un cow-boy en sortie d'une ville, c'est ça? Ouais. Alors du coup, la ville, je la ferais plutôt dans ce coin-là, qui déboucherait plutôt... Parce que du coup, comme ça, si tu croppes, t'as quand même encore un bout de la ville, tu vois. Yes. Et du coup, le crâne, c'est maintenant de savoir où il faudrait le placer. Le crâne, plutôt dans le milieu. Là? Ouais. Tu sais que... Comme si le crâne était au premier plan, après on voyait le cow-boy, après la ville. Et au premier plan de la pochette, il y a un crâne de chevreuil, donc ça c'est inspiré d'un vrai crâne que j'ai. Je suis allé chez des amis qui habitaient pas loin et dans leur jardin j'ai trouvé un crâne de chevreuil. Enfin un chevreuil mort complet, il y avait encore le corps et tout et tout. Donc moi j'ai pris un sac poubelle, j'ai pris le crâne, je l'ai ramené dans la maison où j'étais. Je l'ai nettoyé, je l'ai fait bouillir et tout, je l'ai verni, etc., etc. Et en fait le crâne de chevreuil c'est un petit peu le symbole de cet album. Et le but avec ce crâne c'était de l'attacher sur mon pied de micro quand je suis en concert. Et je voulais quelque chose qu'on pouvait redécouper en fait. Je voulais pas d'arrière-plan, je voulais un truc qu'on pouvait redécouper pour en faire des motifs pour faire des t-shirts. Après quand j'ai envoyé la pochette à Marc-Edouard, il s'est proposé de la redessiner entièrement à la tablette graphique. Comme ça, ce sera encore plus simple à intégrer ça sur les t-shirts. Comment s'est passé le projet, je dirais, de la pochette d'album? Moi, c'est très simple. Habituellement, je suis graphiste, j'ai fait des études de graphiste et tout. Et Sky m'a dit, voilà, moi j'ai une pochette d'album faite par Clément Kaneki qui dessine super bien. Et est-ce que tu pourrais embellir cette pochette d'album qui est juste à un étage, je dirais, de dessin? J'aimerais qu'elle soit plus utilisable pour ensuite, je dirais, que cette pochette soit déclinable ensuite sur des t-shirts et que le visuel fasse vraiment visuel de t-shirt, etc. Donc ce que j'ai fait, moi je me suis dit, bah c'est chouette, c'est une bonne idée, je suis chaud. J'ai regardé un peu des modèles d'autres pochettes d'albums, un peu du style Gorillaz et tout ça, qui eux font des pochettes d'albums et d'un côté avec un côté numérique, un côté fait sur Photoshop, etc. Et bien, moi je me suis dit, quand j'ai vu le dessin, je me suis dit, le dessin plus mes compétences de graphie sur Photoshop, bah, si on combinait les deux, ça pourrait être cool, quoi, en fait. Pour avoir un côté, un beau dessin, plus un traité graphique, assez sobre, épuré, plus moderne que juste un simple traité de crayon à papier et de couleurs comme ça sur papier. Ça a commencé juste, du coup, avec le message de Sky qui me dit ça, en me disant comment je vais pouvoir traiter cette demande, comment graphiquement je vais pouvoir apporter quelque chose, je dirais, de supplémentaire pour que ça claque encore plus. Du coup, voilà, j'ai bossé la tablette graphique sur le dessin de Clément, en reprenant, du coup, j'ai bossé au trait au début avec l'outil pinceau, puis j'ai recolorisé les éléments du dessin qui de base n'étaient pas colorisés, enfin très peu. Et du coup, c'était un travail aussi où il y avait quand même derrière une recherche, je dirais, de colorimétrie. J'ai discuté à Sky, je lui ai fait plusieurs propositions, plusieurs aperçus de couleurs, quelles couleurs on utilise, parce que c'est vrai que tout seul comme ça, on sait pas forcément qu'est-ce qui va fonctionner, on sait pas forcément est-ce que ça claque, est-ce que ça passe. Donc c'est vrai qu'il y a tout le temps ce passage, je dirais, de retour entre... entre la personne, donc entre Sky et moi, il y avait tout le temps un retour. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je le refais? Est-ce que je retravaille ce dessin? Et il y avait tout le temps un aller-retour. C'est vrai, il faut savoir aussi que dans ce projet, c'était pas non plus, je dirais, aussi simple, parce qu'il y avait quand même une part de... Il fallait aller vite, parce qu'il y a aussi les contraintes qu'il faut rendre la pochette d'album à telle date, l'album doit sortir à telle date, moi je dois rendre ça à telle date, je dois terminer ça, donc il y avait quand même un ping-pong, une rapidité. C'est vrai que
je tiens à le dire, si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu faire encore plus de choses, mais je suis déjà très content de ce que j'ai pu faire sur ce projet. Et ben j'ai pu ensuite reprendre des bouts de ce visuel, qui est un visuel complet avec plein d'éléments, un personnage central, une tête de mort, un crâne, et je me suis dit, tiens, bah Sky, il voulait des t-shirts, il voulait quelque chose pour ces t-shirts. Je me suis dit que ça irait pas, en fait, d'avoir une pochette d'album, un carré comme ça, sur le t-shirt, ça ferait... Ça, visuellement, ça serait joli, mais ça correspondrait pas, j'irais, à un t-shirt. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris des éléments phares de la pochette, donc le personnage qui est Sky, le crâne, et des éléments comme ça que j'ai repris et que j'ai recomposé sous forme de t-shirt, en mettant du coup la typo en dessous et en recadrant tout ça pour que ça soit destiné à un t-shirt. Après aussi, habituellement, moi je... Enfin habituellement, je suis vidéaste et je crée des vidéos sur YouTube. Et c'est ça que j'aime bien, le côté d'être polyvalent et de faire plein de choses fait que... En fonction de la demande, en fonction des projets, tu peux t'adapter au projet. Et c'est vrai que là, j'étais content du coup d'avoir cette qualité-là pour aider Sky et pouvoir lui proposer ce côté graphique, quoi, voilà, sur ce projet. Donc c'est l'avantage, en fait, de faire plein de choses, fait que on peut aider dans toutes les circonstances, et je dirais un peu caméléon, quoi, changer de couleur en fonction du projet, du travail et en fonction de ce que tu dois faire. Quand Sky m'a proposé ce projet-là, moi, j'étais encore étudiant. Et c'est vrai que de travailler sur un projet comme ça à côté des études, c'était quelque chose, en même temps, qui demandait une certaine... Il y avait une certaine pression derrière, en fait, le fait de dire « j'ai l'école et après je rentre chez moi » et limite je bossais direct sur le projet de Sky. Donc c'est vrai que c'était un peu pas forcément évident parce que je devais gérer plusieurs choses. Finalement, je suis assez content parce que j'ai pu rendre ça dans les temps, j'ai pu réfléchir dans les temps ce que je voulais faire. Quand on a ce genre de projet, on n'est jamais tout seul. Comme vous pouvez le remarquer, du coup, il y a eu Clément Kaneki qui a bossé dessus, une autre amie aussi à Sky qui a bossé dessus. Donc, en fait, c'est une sorte de pyramide qui s'empile et qui fait que ça fait avancer le projet. Donc, c'est tout un projet solidaire et il faut se serrer les coudes tous ensemble pour, au final, aboutir à un résultat classe. Je dirais, du coup, si plus tard l'album sort en physique... Ça serait une bonne idée, je pense, de retravailler encore plus la pochette et donner un côté un peu plus rock'n'roll, un peu plus destroy à ce dessin qui est déjà, bah, comme disait Sky, un peu moderne, mais lui donner un côté un peu plus... encore plus crayonné, plus, je dirais peut-être plus foufou, plus... ça pète un peu plus, quoi, dans le traité graphique, et ça soit encore... ça se rapproche même peut-être encore plus de ce que propose Sky dans ses musiques. Donner un effet un peu... donner un côté assez épuré, sobre, simple, mais en même temps destroy et que ça envoie, quoi. Le truc, c'est du coup, pour l'arrière-plan, pour tout ce qui reste, tu pensais en faire... tu voulais quelque chose de particulier ? Alors, là, soit faire en sorte que je puisse découper cette partie pour intégrer une image, par exemple des étoiles, soit libre cours à ton imagination, genre un ciel ou quelque chose. Ok. Bah, je t'avoue que je suis pas très très doué sur les ciels, mais donc ouais, pouvoir se garder le fait de, au cas où tu peux le détourer et mettre les étoiles. Ouais, ou alors à ce niveau-là, tu mets Sky Anaclea, Lost in the Days. Bah c'est ça aussi, c'est que tu peux mettre le titre là, mais il faut quand même du coup un arrière-plan assez léger. Quand même, pour pas faire trop vite, quoi. Et je voulais aussi, tu sais, t'avais fait un espèce de panneau avec écrit... Ouais, je sais plus quoi, genre Girls, 5 Miles, un truc comme ça. Ouais, en fait, moi, je voulais plutôt un panneau avec écrit CTIP dessus. Avec des points ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que c'était des initiales. Ouais, avec les points. Ok. En gros, j'ai une chanson qui s'appelle She's CTIP pour She's Coming to Another Party. En gros, elle va à une autre fête. Et donc, le but du panneau, c'est de dire, voilà, par là-bas, il y a une fête, viens à cette fête, come to another party. Du coup, le cowboy serait là. Là, t'aurais un truc comme ça. T'aurais le crâne qui, du coup, donc le cowboy s'arrêterait bien là. Et le crâne qui serait donc du coup bien. Ouais, du coup, alors ça donnerait à peu près ça. C'est vraiment très très brouillon. Ouais, c'est pour raccourcir. Voilà, voilà, c'est vraiment juste pour spatialiser les trucs. Du coup, t'aurais le cowboy qui serait donc là, ici. Donc que tu puisses couper toute cette partie-là sans problème. Ouais, en gros, il faut que quand ce soit croppé, ça fasse un carré. Le crâne, il serait dans ce coin-là, on va dire. Comme ça, c'est ça? Si ouais. Je ne me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, ça ressemble à rien, hein, je suis d'accord, mais. Ah, ça c'est le livreur.
Allô? Alors, coupon en 3. Ouais, chaque pizza en 3. Ok, il y a des olives sur les kebabs. Quoi, t'aimes pas les olives? Non, ah, non c'est pas grave. Ah bah, si vous voulez pas des olives. On a des serviettes ou quelque chose ou... Nique sa race et au pire. Non, non, je suis pas très nique ma race quand il s'agit de me dégueulasser. Mais j'ai du PQ si tu veux. J'ai celle-là. Qui est la toute première. Yes. Et que du coup j'ai un petit peu retravaillé, notamment juste pour le skin du cowboy. Tu me dis si. Bon, là c'est très très très. Il y a beaucoup trop de traits, tu vois. Ouais, mais il tabasse. Donc, tu mets de la couleur après. Oui, je pense que je vais faire tout couleur et tout. Ouais, bah la pizza c'était un peu mon truc là-bas. Quand j'allais faire les courses, en fait, je me disais tout le temps que j'avais la flemme de cuisiner, même si j'adore cuisiner. Bah, il y a quand même un moment où quand t'es en train de bosser, t'as envie que quelque chose se fasse rapidement. Donc je me suis dit, allez, je vais acheter la race de pizza, je les mets tout au congèle. Comme ça, je préchauffe le four, je mets la pizza dans le four pendant que je suis en train d'enregistrer. Et du coup, bah, j'ai plus qu'à sortir la pizza du four, manger et me détendre devant l'ordinateur et puis réécouter ce que j'ai fait histoire de. Allez, ce soir, c'est pizza tartiflette. Donc là c'est l'heure de manger devant l'épisode 77 de Dragon Ball Super. D'ailleurs ce soir il y a le Super Bowl, les Patriots contre les Falcons. Je vais aller chez le copain Scrotum de Poulpe pour regarder. J'encourage fortement les Patriots. Et bah, bon appétit. Il y avait écrit pour 4 personnes. Une assiette ça fait une personne. Bon app. Pas mal du tout ces petits poulets. Chicken wing. Ça, c'est country. Après, j'avais d'autres manières de m'occuper là-bas. Par exemple, je jouais beaucoup à Dragon Ball Xenoverse 2 sur PC, puisque j'avais que mon PC sur place. Ah, c'est le moment où j'ai rien à faire, où j'ai rien à enregistrer. En fait, j'essaie de m'aérer un peu les oreilles avant de revenir sur les morceaux. Donc, on va jouer un peu à Xenoverse 2. On est quête au hasard. Allez les gars, vous pouvez la voir là. Je peux pas toujours compter sur moi. I'm looking for a PSC. I wanna have you to look to see. You know I'm a rodeo man. I wanna hear you say goddamn. Look, Piccolo, say, do you wanna fight against you or say? Quel bon leur celui-là. That's bad. Je suis aussi allé voir un collègue qui joue dans l'équipe de football américain d'Orléans. Donc, je suis allé les voir, ils ont joué contre Paris, ils se sont fait humilier. C'est des choses qui arrivent. Humilier à domicile, bravo quoi. Je pouvais pas aller faire de skate parce qu'il n'y avait pas de skatepark à proximité et les routes étaient vraiment dégueulasses. C'était pas le genre de route où on peut rouler tranquillement dessus et en plus il pleuvait assez régulièrement, donc c'est un petit peu la merde. Ah, c'est le moment où je dois changer les cordes. On met des dadario. Heureusement que j'ai cet outil, hein, ça va super vite avec. Normalement, un changement de corde comme ça, faut compter. Allez, 3 quarts d'heure, 1 heure à changer les cordes, à tourner à la main. Et là, avec ce petit outil, en un quart d'heure max, c'est fait. Atelier changement de corde. Cette chanson-là, je dois absolument pas la foirer. C'est la plus importante de l'album. Mary, c'est un titre que j'ai composé avec Kezium, mon ancien bassiste. On l'a composé ensemble. En fait, c'est venu d'un riff de jazz ou de folk qu'il était en train de jouer. Et en gros, je suis resté sur ces accords et j'ai transformé ça en arpège tout simplement. Pour moi, c'est le meilleur morceau que j'ai écrit jusqu'à présent dans ma vie. Enfin, je pense que c'est mon préféré, en tout cas instrumentalement parlant, c'est celui que je préfère.
Je veux dire, c'est un morceau qui a vraiment quelque chose. Il est décortiqué en plusieurs émotions. Et en fait, je l'appelais Mary, puisque étant donné que c'était le plus beau morceau que j'ai pu écrire, je me suis dit, je vais lui donner le nom de la plus belle personne que je connaisse. Donc, c'était Marie, donc je l'ai appelée Mary en anglais. Et ça a beau être mon morceau préféré, bah, c'est pas le morceau que je préfère sur l'album parce que j'estime l'avoir complètement foiré en termes de production. Il ressemble pas du tout à ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'en ai fait aussi une version bonus acoustique dans le sanatorium. C'était histoire d'avoir deux versions. Une version studio et puis une version jouée en acoustique. Attends, je fais un test avec la musique. Tu vas me dire si ton volume est bon. Ouais. Ouf. Ouah. Baisse le son du métronome, s'il te plaît. Je baisse le métronome ? Ouais, baisse le métronome, s'il te plaît, il m'a dégommé l'oreille, quoi. Donc le métronome, c'est bon ? Ouais, le métronome, c'est bon. La basse, je vais essayer tout le monde. Essaie de monter un tout petit peu la musique, par contre. Pareil que la basse. Cette partie-là, oui, si t'as la grille en deux spi, je la veux bien. Attends, je te mets la boucle. Alors, attends, je suis à quel moment ? Bon, alors, attends, tu sais quoi, je vais chercher un deux spi. Deux secondes. C'est cette partie-là. Alors attends, je vais te le mettre en boucle, je trouve juste à quel moment il est, parce que là j'ai pas mes marqueurs, comme c'est pas la session. Est-ce que tu peux m'augmenter un tout petit peu le son de la basse, s'il te plaît? Ouais, alors en fait, comme ta basse est au max, ce que je vais faire, je vais baisser la chanson et augmenter ton volume du casque. En général? Ouais. Si j'avais eu un petit peu plus de budget, je pense que Quentin aurait joué sur au moins la moitié des morceaux. Là, il joue que sur 3 morceaux. Et je pense que j'aurais réenregistré Kesium proprement parce que là, j'étais parti à Cavalaire avec pas beaucoup de matos. Parce qu'en fait, quand je vais à Cavalaire, en général, je dors dans ma caisse. Donc je me suis dit, je vais prendre le moins de matos possible. Et là, j'ai utilisé mon vieux IPC, qui est un vieil ordi il doit avoir 8 Go de RAM, voire peut-être un peu moins, et il fait 1 GHz. En gros, tu fais rien du tout avec ça, donc je pouvais pas mettre la session d'enregistrement dessus. J'ai dû utiliser une map. J'avais sorti Mary en Wave, pas possible de retoucher quoi que ce soit dessus. J'ai foutu le morceau dans la session d'enregistrement. C'était une session vierge, en gros, il y avait juste le titre en Wave, enfin comme un MP3 pour ceux qui savent pas. Et Kesium a dû jouer par-dessus ça et on pouvait pas genre régler les volumes. Je pouvais pas lui mettre les violons plus fort ou moins fort, je pouvais pas lui mettre ma guitare plus fort ou moins fort, c'était vraiment le bloc. C'était soit je lui mettais tout à fond, soit tout pas fort. Et du coup, ça a été un petit peu une galère à enregistrer ce morceau-là. Donc ouais, je pense que si j'avais eu plus de temps et plus de budget, bah on aurait refait ça au propre, j'aurais pu prendre plusieurs jours là-bas tranquillement, ou alors j'aurais carrément pu le faire venir sur Bourges ou sur Paris pour qu'il puisse enregistrer ça correctement. Avec les petits violons, ça passe bien. Ouais, je me suis fait plaisir là-dessus. Ah bah, j'avoue, là t'as géré sur l'arrangement. En fait, la chanson, j'essaie de la garder simple, sobre. Je veux pas faire une grosse prod dessus, je veux pas mettre de... Non, mais elle est, justement, le fait qu'elle soit assez épurée, mais justement bien ciblée avec certains instruments, c'est ce qui lui donne aussi toute son âme. Ouais. Ouais, il y a des trucs pas mal dans ce que t'as sorti là, pour ce long. Voilà, la ligne principale, j'aime bien le... Ouais, ça découle, faut le garder. Je comptais la garder. Après le reste, les petites brodures à côté, c'est en pur impro, mais là, celui-là arrive le... Ça, tu le gardes, faut le mettre dedans. Obligé. Vas-y, lance-moi la chanson depuis le début que je me remette la structure en tête. Yes. S'il te plaît. Donc, je te remets la chanson pour la structure. Ouais. J'essaie de te mettre en tête. Quand on enregistrera, te prends pas la tête si tu foires un passage ou pas, tu continues et on refera les passages foirés. Et de toute façon, on va l'enregistrer plusieurs fois. Ouais, ça marche. Et là, ça recommence le riff normal. Ça a bouclé là, non ? Non. C'est quoi là qui bug ? C'est l'ordi, il est pas assez puissant. D'accord. Pour ça, je te dis, on va faire en plusieurs étapes. Ouais. C'est un vieux PC de merde, il a même pas 1 GHz. Le riff 1, combien de temps Combien de. C'est toujours 4 tournes à chaque fois. 4 tournes. Sachant que une Sauf tourne. Le refrain. Une tourne, c'est. On appelle bien une tourne ça. Ouais, ça c'est une tourne. Ça c'est une tourne. Le refrain par contre c'était deux tournes. Ça c'est la montée. Avec l'harmonie. Ouais. Ouais.
Ça, c'est deux fois. Ensuite, on a la... Conf 3, c'est ton solo. C'est pro, ouais. 4 tours. Alors, par contre, là, les 4 tournes. Là, attends. Donc, c'est 8 mesures. Que là, pour le coup, l'impro, vu que moi, là, ça va être de l'impro, je vais pas pouvoir mettre des tournes, quoi, dedans. Ouais, c'est clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décomposer. Là. En cas, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer déjà tous les autres riffs. Et enregistrer l'impro en dernier, comme ça... Je pense que c'est ce qu'on fera, et puis tu mettras un long riff, et puis tu prendras celui qui gère le plus, quoi. Ensuite, on repart sur riff... Riff 1. Pareil, 4 tournes. Ouais, après riff 2, 2 tournes. Ouais. Et après, le riff 4. Ouais, alors là, riff 4. Et donc, le riff 4 est décomposé en 2 tournes du premier riff, et deux tournes de montée dans les graves. Putain, par contre, je me souviens plus du tout ce que je faisais dessus. Là. Je la prenais pas à la quinte inférieure, celle-là. La tourne grave, justement. Ah putain, oui, c'est bon. Avec le tinum. Voilà. Donc pour toi, en gros, ça ferait 4e fret, 6e fret et 8e. Ouais, c'est ça. Après, c'est le petit riff qu'il y avait avec. J'aimerais que sur la montée, tu me fasses un tin dun 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 dun. C'est ça. C'est espèce de break. Pas mal. Ça commence à avoir de la gueule. Non. Je suis pas sûr de Tintin au début. J'aurais plutôt fait ta nan hein. Ouais. Ouais. Ta na na na. Attends. Encore. Non. T'as moyen de m'augmenter un tout petit peu la basse par contre, s'il te plaît? Ouais. Je me suis perdu dans les structures. Là, c'est deuxième riff, deuxième fois. Sur la fin, j'ai pas mal ralenti. Ouais, non, justement, c'est... Je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire sur celle-là. Il fallait qu'elle finisse tout en douceur. C'est lui qu'il faut plus lent. Tu vas m'enregistrer déjà juste pour qu'on garde l'idée. Ouais. Je sais comment ça va faire à la fin de la chanson, on va l'oublier. Ok, on le réenregistrera au fort. Faut que tu claques. Putain, oui. Du coup, j'étais trop respiré. Trop concentré. Trop concentré sur la respiration pour pas que ça s'entende et que je souffle dans le micro. Vas-y, on va y arriver. C'était après. Ouais, t'inquiète pas pour le son, hein, c'est après, une fois que ce sera mixé, t'auras pas ce son là, t'auras plus de volume, t'auras plein de trucs. Ok, je te fais confiance là-dessus.
Là, c'est juste du brut. Là, par contre, j'ai plus rien. Bonjour, je suis quand ? Pas sans jazz. Ready ? Quand tu veux. Allez. Party Time. Pour moi, c'est le meilleur morceau de l'album en termes d'ambiance, en fait, en termes d'énergie. C'est pas forcément le meilleur titre en termes de composition, mais c'est un morceau que j'aime beaucoup. Je l'avais composé il y a plusieurs années, je l'avais joué en convention de jonglage. En gros, c'est un titre qui parle de soirée, mais pas les soirées comme vous faites vous généralement, à vous tringler dans une salle ou à picoler de l'alcool et tout, les soirées posées dans un appart. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment, je parlais des soirées jonglage puisque. Bah, j'ai une grande passion dans la vie, c'est la jungle enflammée, c'est surtout je suis cracheur de feu. Et le type de soirée qu'on fait, bah, c'est des soirées, c'est plutôt des soirées à la cool où on est là entre potes à boire de l'alcool, à jongler enflammé, à cracher du feu, à s'apprendre des tricks, à se montrer comment faire telle ou telle chose en jongle. On est là en train de. Bah, on passe un bon moment en fait, on est toute une petite bande de potes, que ce soit du nord au sud de la France. On se connaît tous, on est un petit peu comme une espèce de petite famille. Et en fait, je voulais vraiment illustrer ça en chanson, puisque ça change en fait. Ça change des soirées que les gens font habituellement, et c'est vraiment une ambiance que je voulais décrire. Dans mon album, bah, je crie beaucoup moins que dans le premier. C'est vrai que dans mon premier album, bah, je venais juste d'apprendre à chanter en fait. Et il y a certaines notes que je peux atteindre seulement qu'en gueulant. Ce qui fait que dans au moins plus de la moitié des morceaux de mon premier album, bah, je gueulais assez souvent. Et. Là maintenant, sur cet album là, bah, je gueule un peu moins en fait. Et du coup, histoire de préserver ma voix, je gueule plutôt quand je suis en studio. Dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a un truc que je foire, je suis là, je fais putain. Et je dois avoir au moins un bon milliard de putain où je gueule sur les rushs que j'ai filmé là-bas pendant que j'enregistrais l'album. Parce que vraiment, ça me permet de garder ma voix, ça permet de... Je suis pas un expert, hein. J'ai séché tous les cours d'SVT, mais ça me permet d'écarter un peu ma gorge, d'écarter un peu mes cordes vocales. Et après, bah, c'était beaucoup plus simple pour les moments où je devais chanter. Disons que ça me préchauffait la voix, entre guillemets, en fait. Putain. Ah, mais fuck. Fuck. Mais qu'est-ce que je branle, là, putain. J'appuie pas assez fort, putain. Je foire trop, ça me saoule. Mais putain. La meilleure chanson, je suis pas foutu de la rentrer. Ah, putain. Yo, casse tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais qu'est-ce que je branle, putain? C'est un riff simple, merde. Mais fuck, qu'est-ce que j'ai fait encore? Putain. Mais ta race, putain, c'est pas ce que je voulais faire. We'll be right back.
Alors là, on est sur probablement la dernière chanson de l'album à enregistrer. Enfin, je sais pas encore, c'est la 12e. Ça fait 13 jours que je suis là. C'est la 12e chanson. J'ai pu voir mon inspiration et je compte mettre 3 ou 4 chansons en live aussi sur l'album, ce qui fait qu'on va arriver à un total de 15 ou 16 titres. Là, on est à 12 chansons, c'est déjà bien, ça fait une quarantaine de minutes sur l'album. J'ai fait un petit sondage sur Twitter pour demander, pour demander à mes abonnés combien de chansons ils préfèrent sur un album, si c'est entre 10 et 15 ou entre 15 et 20. La majorité ont répondu entre 10 et 15, je trouve ça un peu court. On va faire en sorte de répondre aux attentes des gens. Ok, on va se mettre au travail quand même parce que... pas là pour se branler. Alors That Girl I Love, c'est une chanson qui se joue en mi. Une des rares chansons de l'album qui se joue en mi également. Il doit y en avoir deux ou trois, pas plus. Elle est un peu influencée par I Love Rock and Roll. Je crois que c'est The Arrows qui font cette chanson. Dans le sens où le rythme au début c'est plus ou moins le même. Le morceau That Girl I Love, c'est un morceau assez rock'n'roll, justement écrit dans la vibe de I Love Rock'n'Roll. C'est un morceau que j'avais composé pour une ex avec qui j'étais à un certain moment de ma vie. C'est pas une relation qui a duré super longtemps, mais en gros, c'est des paroles qui la décrivent plutôt pas mal. Je l'avais vraiment composé pour elle. En gros, dans les paroles, je l'idéalisais comme la femme de ma vie, même si c'est pas le cas et que ça n'a pas du tout été le cas. Mais il faut savoir que dans la chanson, je dis que la femme qui me correspond, c'est une brune avec des gros yeux marrons, alors dans la vie de tous les jours, je préfère largement les brunes aux yeux bleus. Tu peux me faire un break d'intro ou pas? Ouais, avant de commencer? Ouais. Ouais. Soit sur la première mesure, soit sur les deux premières mesures. Les deux premières, ça va peut-être faire long, non? Je sais pas, ça dépend comment tu le fais. Attends, réfléchis à ce que je pourrais te faire. En gros, ça fait ça. T'as moyen de mettre le clic en lecture? Ouais, tu le coches là-haut. C'est bon. Ouais, tu voudrais que je te fasse un truc. Ah oui, merde. Okay. Non, c'est parce que tu l'as lu du coup. Ouais, là je te mets en lecture, donc c'est deux. Ouais. Non, tu veux que ça. Tu veux que je fasse plus tôt, ouais. Ouais, je veux vraiment un break d'une mesure complète. Ok. Moi, je sais pas. Réfléchir à un truc qui pourrait donner bien. Attends, je réfléchis en même temps. Merde, j'ai pas tout. Ouais, j'ai mal. Presque ça. Tu peux mettre un passage de double à la fin du break? Ouais. Plaque attaque, tac, un truc là. Vraiment à la fin ou. Ouais, plus à la moitié pour accentuer. En fait, je veux que ça passe. Tu veux que ça termine genre. Que ce soit rentre dedans et en même temps une balade quoi. Non, ça c'est bon pour une chanson de rock, mais là c'est. Le
morceau Angela, c'est un morceau qui est très 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 important pour moi. Il y a très peu de paroles dedans, elle est surtout instrumentale. Les seules paroles qu'il y a, c'est un refrain. Angela, c'était le nom qu'on voulait donner à la fille qu'on aurait aimé avoir avec une de mes ex. C'était ma relation la plus intense, ma relation la plus passionnée. C'était la personne que j'ai le plus aimé dans ma vie. C'est une personne que j'ai toujours considérée comme mon âme sœur et que je considérerais toujours comme mon âme sœur probablement jusqu'à la fin de ma vie. C'est une personne de qui je rêve pratiquement toutes les nuits depuis maintenant 6 ans. J'ai fait la connerie de la quitter, je sais qu'on sera plus jamais ensemble. Et en fait, je voulais un petit peu immortaliser ça dans le sens où, ok, on n'aura jamais cet enfant, mais il y a au moins cette chanson qui est là pour elle, puisque je me suis toujours dit que si un jour j'ai des gosses, plutôt que de leur chanter des berceuses à la con, je leur écrirais des chansons et je leur chanterais ces chansons là avant qu'ils aillent se coucher. C'est vraiment une chanson qui est faite pour cette personne là, pour cet enfant que j'aurai jamais, au moins peu importe où elle est. Je vais pas dire là-haut au ciel puisqu'elle est pas morte, puisqu'elle est jamais née, mais peu importe dans quel timeline, dans quel univers parallèle elle est, bah, au moins il y a cette chanson qui existe qui est là pour elle. Il est 5h19 du mat. Je reviens de chez Scrotum de Poulpe. Ah, les Patriotes ont gagné. Je savais qu'ils allaient gagner. Il y a eu un petit instant où j'ai eu un petit moment de doute. Il me semble qu'ils perdaient 28 à 3 contre les Falcons. À ce moment-là, je me suis dit c'est jouable. C'est rattrapable. Et je voyais le chrono défiler de plus en plus. Et au final, ils ont gagné 34 à 28. C'est une équipe merveilleuse. Du coup, chose promise, chose due, je vais faire une chanson pour les Patriotes sur mon deuxième album. Le morceau Drive for Five, c'est une chanson que j'ai écrite pour les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, l'équipe de football américain, puisque je suis un très 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 grand fan de football américain et notamment de l'équipe des Patriotes. C'est la chanson numéro 12 sur l'album, 12 pour le numéro de Tom Brady, le quarterback des Patriots. C'est une chanson que j'ai écrite juste après qu'ils aient gagné le Super Bowl, d'où le titre Drive for Five. C'était en gros leur cinquième bague, et Drive for Five c'était un petit peu le nom de leur campagne, tout simplement. Donc je me suis pas trop foulé pour le titre de cette chanson, j'étais vraiment en manque d'inspiration à ce moment-là. Faut savoir que le Super Bowl avait eu lieu pendant que j'étais en train d'enregistrer l'album. Du coup je me suis dit je vais le regarder, et si les Patriots gagnent, je fais une chanson. Je m'étais déjà dit l'année dernière avec mon ancien bassiste Kesium, quand il était encore dans le projet Sky and Nuclear, je m'étais déjà dit que faudrait que je fasse une chanson pour les Patriots justement. Et en fait l'idée à la base c'était que on enregistre la chanson si les Patriots allaient au Super Bowl, et l'idée c'était de la jouer au Super Bowl d'après. Évidemment ça coûte des milliers voire des millions d'euros pour pouvoir faire ça. Et à l'époque j'avais pas encore commencé à enregistrer l'album, du coup j'avais mis ce projet un petit peu en attente. Et là j'ai profité de l'occasion du fait que les Patriots étaient au Super Bowl cette année, et je me suis dit ok, s'ils gagnent, je leur fais la chanson. Comme ça c'était clair et net, étant donné que j'étais en manque d'inspiration, que j'avais pas d'idée pour les paroles, etc., etc., j'allais pas leur faire une chanson et après laisser traîner le projet pendant des années et des années. Là c'était s'ils gagnent, je fais la chanson. Ils ont gagné, j'ai fait la chanson. Blacklisted, c'est un morceau qui m'a été inspiré du court-métrage Invisible de Fujis Guru, alias le papa de l'internet. C'est notamment le dernier morceau que j'ai enregistré au studio quand j'étais à Bourges. En gros, c'est un morceau, quand j'ai vu son court-métrage, je me suis senti un petit peu reflété dans ce que j'ai vu. Dans le sens où c'est l'histoire d'une personne qui est là, qui est physiquement là, mais il n'y a rien. Les gens autour de lui s'en foutent complètement de sa vie, de son existence. Le mec, il se trouve une nana, la nana elle pense qu'à elle. C'est pas, y a pas une vraie histoire de couple. Et en fait, dans son court-métrage, je me suis senti un petit peu concerné. Je me suis dit putain, mais en vrai c'est l'histoire de toute ma vie quoi. J'ai toujours eu l'impression d'être là sans être là. J'ai toujours eu l'impression de faire des choses qui avaient aucun impact, de faire des choses dont les gens s'en foutaient complètement. La preuve, sur Twitter, je fais un tweet super bien, j'estime qu'il est super bien, il y a aucun retweet, il y a aucun fav, il y a absolument rien. Trois jours après je le retweet, je me dis peut-être il y a personne qui l'a vu. Et non, en fait ça marche pas. Donc le titre Blacklisted, c'est un petit peu ça. Comme je dis dans les paroles, j'ai un petit peu l'impression d'être blacklisté, d'être sur liste noire, que les gens se disent ok, il est là mais il n'existe pas. On est le 16 février 2017. J'ai fini aujourd'hui la majorité des chansons au niveau du chant.
Il me reste encore une chanson et demie à enregistrer. La chanson à enregistrer, c'est la chanson pour les patriotes, justement. J'ai pas encore de paroles dessus. La chanson en elle-même, je l'ai, mais j'ai pas de paroles. Ni de mélodie, ni paroles. Voilà, j'ai pas encore d'idée, mais ça va venir. L'autre demi-chanson, c'est Trapped in the Dark. C'est la première que j'ai enregistrée ici. Il me reste juste le deuxième couplet à faire. Une fois que le second couplet sera enregistré, bah, la chanson sera terminée. Je suis assez satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui, dans le sens où j'ai retrouvé ma voix, j'ai réussi à faire quelque chose de correct. Ce matin, quand je me suis levé, je la sentais bien cette journée, j'avais un très bon pressentiment. Ça m'a assez inspiré, et j'ai eu pas mal d'idées, des idées d'harmonie. Bon, après, c'est pas toujours parfait, il y a peut-être encore des choses à corriger, d'autres choses à réenregistrer, je sais pas, va falloir que je m'aère les oreilles. Je verrai ça demain de toute façon, avec des oreilles neuves. Disons que ce matin, quand je me suis levé, j'avais donc ce très bon pressentiment. J'ai commencé à chauffer un peu ma voix, à chanter un petit peu comme ça à droite à gauche, et j'ai vu que j'avais beaucoup plus de facilité qu'hier ou avant-hier. Du coup, bah, j'ai repris quasiment toutes les sessions que j'avais enregistrées ces deux derniers jours, et j'ai recommencé à zéro. J'ai réenregistré toutes les voix. Donc j'approche de la fin, après je rentrerai chez moi à Rony dans le 93. Et je m'attaquerai au mixage de cet album. Donc actuellement au 16 février 2017, j'ai 12 chansons, dont 2 chansons instrumentales. Si j'avais eu le choix dans les collaborations, il y a plusieurs artistes auxquels je pense à chaque fois. Et je crois que celui qui me vient tout de suite en tête, celui pour lequel je pense que c'est la personne avec qui je veux collaborer absolument, c'est Aurel San. Ça n'a rien à voir, notre style de musique n'a absolument rien à voir, notre manière de penser n'a absolument rien à voir. Mais c'est un artiste que j'admire depuis ses débuts. Je crois que je le suis depuis 2006 ou 2008, un truc comme ça. Et c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs artistes francophones en tout cas. C'est quelqu'un qui... Bon ok, il sait pas chanter, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait écrire. C'est vraiment quelqu'un qui a du flow, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'imagination, c'est vraiment quelqu'un qui est cultivé, que ce soit cultivé musicalement. C'est quelqu'un qui est très ouvert au rock alors qu'il fait du rap. C'est quelqu'un qui est cultivé au niveau des mangas, au niveau d'internet, au niveau des jeux vidéo, au niveau de l'informatique, tout et n'importe quoi. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. On fait la même chose toutes les semaines, on sait qu'on sait que ça va être naze, mais on sort quand même. On va avoir le morceau le plus bluesy de l'album. Le plus chill est celui qui aura du solo, beaucoup de solo. En fait, tout le morceau, ça va être un solo complet. Le dernier morceau de l'album avant le titre bonus, c'est Rebel. C'est un morceau instrumental, c'est du blues. J'avais vraiment envie d'incorporer une grosse touche de blues dans cet album. Et c'est justement par ce morceau-là que j'ai fait appel à mon ami Valentin Jevrez, et qui en plus en a profité pour jouer sur d'autres morceaux. Mais c'est vraiment sur ce morceau-là que je me suis dit, ok, je vais appeler Valentin parce qu'il a un jeu qui est très très blues. J'aimerais bien qu'on se fasse un duel de guitare en fait dans ce titre-là. Donc si vous écoutez bien sur de bonnes enceintes ou si vous écoutez au casque, ma guitare solo sort à droite, la guitare solo de Valentin sort à gauche. Et en fait c'est ça, c'est un petit peu un duel de guitare, parce que c'est quelqu'un que j'admire depuis des années. Je le connais depuis qu'il... Je vais pas dire depuis qu'il est gosse, mais depuis qu'il est adolescent. Et je l'ai vraiment vu évoluer musicalement. Et il a pris tellement de level, ce petit bâtard. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, faut que je l'invite sur l'album. Faut qu'on se fasse un duel de guitare, parce que... on avait eu l'occasion de jammer ensemble quelques fois, c'était cool. À une époque, il était censé rejoindre le projet Skyrn Aclea en tant que guitariste, mais du fait qu'il habite un petit peu loin, entre guillemets, ça s'est jamais fait. Et là, je me suis dit, ok, il me faut ce gars sur l'album. C'est pas ce que je cherche pour cet album. Allez, clap! Thank you.
Enfin, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question, que ce soit en interview ou des amis à moi qui me posent la question, comment tu te vois plus tard. Le truc, c'est que faut savoir que quand t'es dans un état de dépression, tu te vois pas plus tard, tu t'imagines pas plus tard. T'arrives pas, même te dire dans deux semaines, je sais pas où je serai dans deux semaines, je sais pas ce que je ferai dans deux semaines. Donc, comment je vois la suite de Skyerna Cléa? Dans mon état actuel, je peux pas répondre, je peux pas le dire. Après, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit un projet qui prenne un peu plus d'ampleur. J'aimerais bien repartir en tournée, j'aimerais bien refaire des concerts, et j'aimerais bien que l'album se vende bien, j'aimerais bien faire beaucoup plus de clips, que ces clips passent en télé. J'aimerais beaucoup de choses en fait, j'aimerais que ce soit un vrai projet musical qui fonctionne en fait, et pas qui stagne depuis plusieurs années. Une réédition de l'album, c'est un projet auquel j'ai déjà pensé. Faut savoir que déjà, si je fais presser l'album en CD, je vais m'attarder à remixer quelques morceaux, notamment Trapped in the Dark ou She Run Away, ou des morceaux que j'ai pas vraiment pris le temps de bosser dessus. Je compte bien retravailler dessus. J'aimerais bien faire quelques morceaux bonus, par exemple enregistrés pendant des concerts ou des remixes, puisque je connais énormément de gens qui font de la prod dans l'électro, et j'aimerais bien qu'ils me remixent un petit peu quelques morceaux de l'album. Donc ouais, faire une réédition, ce serait pas mal. En fait, je crois que plutôt qu'une réédition, il y a un projet qui me tente un peu plus, c'est de faire un espèce de best-of. Je suis personne, j'ai sorti que deux albums, mais dans ces deux albums, il y a des morceaux de remplissage qui servent absolument à rien et des morceaux qui ont vraiment de la gueule. Et en fait, j'aimerais bien faire un gros best-of avec les meilleurs morceaux de ces deux albums, les meilleurs morceaux du premier album et les meilleurs morceaux du deuxième album. Et que sur ce best-of, il y ait des morceaux enregistrés en concert, par exemple. Lost in the Days, par rapport à mon premier album, je dirais pas que c'est l'album de la maturité. C'est pas comparable en fait, puisque Emosa Si Memoro, c'était mon premier album, c'était mon petit bébé. J'ai passé des années, depuis que j'ai commencé la guitare, j'ai passé des années à composer cet album. Les moyens ont pas été les mêmes, les compositions sont pas les mêmes, elles sont pas vraiment dans la même veine. On va dire que Emosa Si Memoro, c'était plus des ballades. Lost in the Day, c'est plus du rock qui rentre dedans. Emosa Si Memoro, c'était l'histoire fictive d'un homme qu'on suivait de sa naissance jusqu'à son suicide, puis sa rédemption. Lost in the Day, c'est mon histoire. Emosa Si Memoro, c'était mes débuts dans le chant. Il y a eu pas mal de galères pendant les enregistrements. La plupart des voix qui est dessus, ce sont des voix témoins, parce que je m'étais cassé les cordes vocales à un certain moment. J'avais interdiction du médecin de chanter pendant 3 mois. Bref, j'avais des deadlines, je pouvais pas réenregistrer l'album. Lost in the Days, je l'ai fait avec mes moyens. C'est moi qui l'ai produit, contrairement à Emosa Si Memoro, ce qui a été coproduit par mon ami Tony Spadaro. Lost in the Day, c'est vraiment moi de A à Z, c'est vraiment l'album de la maturité. En vrai, dans Lost in the Day, c'est une toute nouvelle manière de chanter. Et encore, une fois que j'avais terminé d'enregistrer l'album, j'ai découvert encore une autre manière de chanter à l'heure actuelle. Et pourtant, il s'est passé à peine 6 mois entre l'enregistrement et le moment où je fais ce documentaire. À l'heure actuelle, ma voix a encore plus évolué. Les morceaux que j'ai enregistrés sur Lost in the Days, et je pourrais les réenregistrer, ma voix aurait tellement plus de coffre, ma voix aurait tellement plus de patates, ma voix aurait tellement plus de gueule. Mais il faut savoir qu'il s'est passé quand même 4 ans entre le premier album et le deuxième album. C'est 4 ans où j'ai sillonné les routes, c'est 4 ans où j'ai réappris à composer, où j'ai réappris à écrire, c'est 4 ans où je me suis amélioré dans la musique, c'est 4 ans où j'ai appris à atteindre certaines notes que je n'arrivais pas à l'époque, où j'étais obligé de gueuler pour atteindre ces notes-là. C'est 4 ans où j'ai fait énormément de rencontres, c'est 4 ans où je me suis battu contre des préjugés ou tout et n'importe quoi. C'est 4 ans où j'ai évolué dans la musique. Et en fait, Lost in the Days, quand j'ai pris la décision de faire cet album, donc c'était il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, allez, je fais cet album, s'il marche, tant mieux, je continue la musique, s'il marche pas, j'arrête. Alors en fait, pourquoi j'ai mis 4 ans entre les deux albums? Il y a plusieurs raisons. Je crois que la première, c'était que j'avais vraiment besoin d'évoluer, dans le sens où je venais juste de commencer à chanter quand j'ai enregistré mon premier album. Je m'étais dit, allez, il me faut quelque chose. Ça faisait 2 ans que je chantais. J'avais besoin de perfectionner ma voix, j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses, puisque je pouvais pas me permettre de dire, ok, c'est mon deuxième album et je chante toujours comme une merde. Après, il y a d'autres raisons qui ont fait que je suis parti faire des concerts à droite à gauche, et tous les mois j'avais au moins 4 ou 5 concerts à faire à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays. À côté de ça, j'aidais d'autres groupes, soit en tant qu'ingé son, soit en tant que roadie. Il y a des groupes avec lesquels on est parti en tournée, il y a d'autres groupes avec lesquels il y avait des dates occasionnelles, etc. J'avais pas vraiment le temps de me pencher sur un autre album.
C'était aussi 4 ans où j'ai commencé à composer ce nouvel album, puisque je m'étais dit, ok, je viens de sortir mon premier album, ça a l'air de plaire, ça a l'air de marcher, donc je vais en écrire un deuxième. Donc j'avais déjà commencé à écrire cet album. Mais ce qui a pris le plus de temps, en fait, c'était que je voulais développer une grosse fanbase, je voulais développer une communauté, notamment sur Internet, en fait. Internet, c'est un lieu où je suis très présent depuis une vingtaine d'années, depuis 21 ans même, et je me suis dit qu'il fallait que je développe quelque chose sur Internet, puisque les gros labels regardent ta communauté, en fait. Ils se disent, ok, ce mec-là, il est déjà connu, s'il sort quelque chose, ça va marcher. Moi, c'était pas trop comme ça en fait. La plupart des exemplaires que j'ai vendus, c'était à la fin des concerts. Personne ne me connaissait, ils écoutaient ma musique en concert, ils me découvraient, ils disaient « Ah c'est cool, je vais lui acheter un album pour le soutenir ». Là, ce que j'ai voulu faire, c'était déjà avoir une fanbase, avoir quelque chose, histoire de dire « Ok, là je sors mon album, j'ai tant de personnes qui vont l'écouter, qui vont l'acheter ». Et en fait, je pense que c'est ça qui a pris le plus de temps. J'ai toujours pas réussi à développer autant de fans que j'aurais aimé, mais j'ai déjà au moins une petite base entre guillemets solide, et c'est des gens qui depuis plusieurs années me disent « Ouais, quand est-ce que tu ressors quelque chose ?» Bah voilà, l'album il est là. Tout le monde peut écouter Skyrna Claire, c'est surtout de la musique qui s'écoute sur la route, c'est de la musique qui, selon les morceaux, qui parle aux jeunes, qui parle aux plus vieux, de la musique pour les adultes, de la musique pour les adolescents, etc. etc. C'est vraiment très vaste en fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas de la musique pour enfants, c'est pas de la musique pour vieux. Il y a une grosse partie de rock, il y a une grosse partie de balade, c'est de la musique qui parle à tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont aidé à réaliser cet album, je les remercie franchement du fond du cœur. Sans ces personnages, j'aurais jamais pu faire l'album. Faut savoir que cet album, c'est un petit peu un combat depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je cherche les moyens de faire cet album. Ça fait 2 ans que je cherche le financement pour faire cet album. J'ai tenté au moins 2 ou 3 campagnes de crowdfunding juste avant de faire ma page de pot commun, et ça a toujours été un échec. C'est vraiment un album qui me tenait à cœur, parce que c'est un album qui parle de ce que j'ai au fond de moi, réellement, sincèrement. Il doit y avoir, sur les 15 morceaux, il doit y en avoir que 1 ou 2 qui sont fictifs. Tout le reste, ça parle que de moi, ça parle que, c'est que du vécu. Et c'est pour ça que c'est super important que je dise merci. Merci à toutes ces personnes qui ont permis la réalisation de cet album. Merci énormément à vous qui écoutez mes musiques, qui achetez mes morceaux, qui partagez mes morceaux, qui téléchargez illégalement mes morceaux. Merci. On est d'accord que t'as dit téléchargez illégalement, hein? Ouais. C'est bien. Je vais chialer, bordel. Abonne-toi, mets la cloche. Abonne-toi, mets la cloche, là, c'est toi la cloche.